Eh bien, salut à tous les amis, c'est Benouille, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, nous nous retrouvons une fois de plus sur Medal of Honor, Soleil Levant sur PlayStation 2. Alors oui, qu'est-ce que je fous là? Et encore une fois surtout, parce que oui, ce n'est pas la première fois que je reviens sur ce jeu depuis que j'ai fini ma série dessus. C'est la deuxième fois déjà. J'étais déjà revenu dessus pour vous faire un épisode bonus avec tous les secrets du jeu un peu cachés. Et là, je suis de retour pour vous montrer quelque chose d'encore plus incroyable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais jouer sur le multijoueur du jeu en mode en ligne, les amis. Et oui, et pour cet épisode particulier, eh ben, je suis en compagnie de Inconnu Anonyme. Salut à toi! Bonjour. Et c'est, comme pour la dernière fois, tu es en ma compagnie, car c'était déjà avec toi que j'étais lorsqu'on a fait justement l'épisode bonus sur Soleil Levant. Ouais, je m'en souviens. Mais là, j'ai pas envie que les gens se disent « Mais pourquoi tu privilégies autant Soleil Levant ?» Alors, c'est le hasard, parce qu'en fait, c'est pour une bonne raison. La dernière fois, c'était un épisode bonus, parce que j'avais loupé beaucoup de choses sur le jeu sans m'en rendre compte, donc je suis revenu sur ça. Et cette fois-ci, c'est pas pour rien, vous l'avez bien vu, bien lu et entendu du coup même. Je vais jouer dans cette vidéo, en ligne, sur ce jeu, et sur PS2, c'est même pas en émulateur ou quoi que ce soit les amis. Je suis sur PlayStation 2. Comment c'est possible, ça Inconnu Anonyme va l'expliquer dans quelques instants, mais justement, c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire absolument une vidéo sur ça, c'est incroyable, ça va être la première fois de ma vie que je vais vous faire une vidéo en ligne sur PS2, et c'est même la première fois de ma vie tout court que je joue en ligne sur PS2, alors j'y ai joué il y a 2 jours déjà, j'ai fait un test, j'ai découvert ça avec Inconnu Anonyme il y a 2 jours, grâce à lui d'ailleurs, parce que les serveurs évidemment étaient fermés avant ça, c'est logique, ils sont toujours à peu près fermés, mais on peut y jouer, ça il va expliquer dans quelques instants, mais la raison pour laquelle je privilégie Soleil Levant sur ce détail là, c'est que bah, en fait, bah, c'est le seul Medal of Honor de la PlayStation 2 en fait, qui possédait un mode online, tous les autres de la PS2 n'ont jamais eu de mode en ligne. C'est le seul qui en avait, c'est Soleil Levant. En première ligne, on n'avait pas, les Faucons de Guerre non plus, et Avant-Garde non plus. Les Faucons de Guerre et Avant-Garde avaient juste un mode en écran partagé, c'est tout. Mais pas de mode en ligne. Sur PS2, c'est Soleil Levant, le seul et l'unique qui l'a. Après, c'est vrai qu'il y a des exceptions, il y a les jeux PC, là oui. Débarquement allié et Bataille du Pacifique. Quoique Bataille du Pacifique, je suis pas sûr à 100%, je ne sais plus. Mais Débarquement allié, je suis sûr qu'il avait un mode en ligne, mais évidemment, les serveurs étaient également fermés. Si un jour, je vois que j'ai une opportunité de peut-être vous faire une vidéo sur le mode en ligne de Débarquement Allié, je le ferai. De même que pour Medal of Honor Airborne, le mode en ligne sur PS3, j'ai pas pu y jouer. Si je vois qu'un jour il y a une opportunité, je le ferai également. Voilà, et si jamais vous voyez, vous, qu'il y a une opportunité, qu'il y a une solution pour pouvoir y jouer, n'hésitez pas à me prévenir si vous avez une solution. Clairement, je suis entièrement preneur. Tout ce que je n'ai pas pu faire, les modes online et tout de ces jeux-là, vraiment, tenez-moi au courant et je foncerai sur l'occasion directement. Ça, c'est sûr à 100%. Et au moins, on aura l'occasion de tester le mode en ligne en vidéo de Soleil Levant, alors que les serveurs n'existent plus depuis un bon nombre d'années. Alors comment c'est possible qu'on va pouvoir y jouer? Ben ça, je vais laisser Inconnu Anonyme l'expliquer, parce qu'il maîtrise sûrement mieux le sujet que moi, donc du coup, je te laisse expliquer comment c'est possible de jouer en ligne aujourd'hui sur PS2 à Soleil Levant. Alors si on peut jouer depuis récemment en ligne, si on peut rejouer en ligne avec entre plusieurs personnes, c'est parce qu'en fait, il y a eu une petite équipe assez talentueuse sur un serveur Discord qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plus d'une semaine. Donc une équipe qui avait tous des connaissances pour remettre un serveur sur pied. C'est pas du tout le seul, hein. Il y a toute une panoplie de jeux PS2 qui étaient fermés et qui ont été remis en ligne par des fans en fait. C'est des serveurs hébergés par des fans, mais plus par les développeurs officiels du jeu. Mais ça, c'est comme à l'époque, hein. C'est la même chose, seulement que les serveurs ne sont plus officiels et sont gérés par des fans de jeu, voilà. Après, du coup, j'explique aussi comment se connecter. On va expliquer comment se connecter, parce qu'il y a un petit tuto, on va le faire ensemble. Bon, moi, c'est déjà fait, mais bon, je vais le refaire avec vous pour ceux qui possèdent ce jeu sur PS2 et qui auront envie de tenter l'expérience, du coup, parce que il y a sûrement un grand nombre d'entre vous qui ont dû voir mes vidéos Soleil Levant, qui ont peut-être le jeu en réserve et qui n'ont peut-être jamais pu jouer en ligne de leur vie au jeu. Donc, si vous avez toujours votre jeu sur PS2, tentez votre chance, c'est possible, vraiment. N'hésitez pas, bon, évidemment, il faut que votre PS2 soit connecté à Internet. Voilà, ça c'est la condition. Moi, j'avais jamais connecté. Il y a un câble Ethernet, pas de Wi-Fi sur PS2. Hein. Mais par contre, non. Moi, voilà, j'avais jamais connecté ma PS2 de ma vie, c'est la première fois que je l'ai fait via mon CPL.
Voilà, donc ma connexion n'est pas excellente. Donc du coup, il y aura de la latence un petit peu quand j'aurai, je suis désolé, mais c'est la seule solution que j'ai pour me connecter à ma PS2. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai les gens. Voilà. Du coup, on va maintenant expliquer comment se connecter. Est-ce que tu as par hasard d'autres exemples de jeux qui ont réussi à réouvrir leur serveur sur PS2? Bah tout ça, il y a tout ce qu'on appelle un Google Sheet, hein. C'est une grande liste avec marqué plein de jeux. Il y en a environ qui ont été remis sur pied. Je dirais qu'il y en a une quarantaine. Et c'était les jeux les plus connus et les plus aimés pour leur mode en ligne. Ah ouais, d'accord. Mais parce que par exemple, si on reprend l'exemple de TimeSplitter, tu m'avais dit qu'il y avait également moyen, mais que c'était pas pareil. Alors, c'est pas pareil, parce que là, la façon dont on va jouer, c'est-à-dire, vous pouvez jouer en utilisant que du 100% officiel, à part le DNS. Le DNS est un code que vous devez entrer, qui est différent de celui d'avant. Sinon, vous pouvez jouer sur PS2 avec le disque original, sans apporter un patch à votre console. Vraiment, n'importe qui a un câble Ethernet, une console, une manette, une carte mémoire, peut se connecter, besoin de trafiquer le jeu. Ah si, il faut une carte mémoire, en effet, oui, si, quand même. Pour sauvegarder une configuration réseau. Ouais. Et c'est pourquoi c'est différent, parce qu'en fait, TimeSplitter 3, on peut jouer en ligne, mais via ce qu'on appelle un programme, un logiciel qui s'appelle Xlink Kai. En fait, ça va trafiquer le mode réseau local, LAN, pour faire croire à la console qu'on est tous dans le même réseau, alors que non, en fait. Mais pour ça, voilà. Il faut avoir un PC à côté, etc. Ouais. Et donc, c'est pas la même chose. Par conséquent, ici, je vous fais un petit cadeau avec une vidéo bonus sur le mode online de Soleil Levant. Cependant, pour TimeSplitter Future Perfect, les gens, ça sera pas vraiment possible, je pense, parce que... Après, il se peut qu'un jour, surprise, on me dise « Ah, oh, t'as oui, voilà. Future Perfect, t'es remis. » Si un jour, j'apprends pour ça, Soleil Levant, les gens... c'était pas une mission impossible. Ouais, voilà. Si j'apprends un jour qu'il y a moyen que je joue... comme je vais le faire ici en ligne sur TimeSplitter, peut-être qu'un jour je referai une vidéo spéciale online sur TimeSplitter Future Perfect, les gens. C'est pas impossible. Mais pour le moment, voilà, jouer comme ça, comme si de rien n'était, on peut pas le faire. Il faut installer un programme, relier à l'ordi, à la console et tout le bordel, et ça a l'air bien complexe, surtout que c'est avec ma configuration. Déjà, il n'y a rien qu'ici, j'en ai chié. Là, d'ailleurs, les gens, sachez quelque chose, c'est que je fais cette vidéo via mon PC portable. Ce n'est plus arrivé depuis plus de 2 ans. Donc, je suis plus habitué, mais voilà, de base, mon PC à Tours, où je vous fais toutes les vidéos d'habitude, il est connecté avec mon CPL. Le problème, c'est que là, j'ai eu besoin de mon CPL pour le connecter à la PS2. Par conséquent, mon PC à Tours, là, il n'y a plus de connexion. Donc, pour parler avec un inconnu anonyme comme je le fais là, j'aurais pas pu. Par conséquent, j'ai dû passer via mon PC portable pour que vous puissiez l'entendre, voilà. Du coup, je suis désolé s'il y a quelques bugs de connexion dans le Discord. On a entendu 2-3 depuis le début, mais pas des gros. Donc, ta voix buguait légèrement à un moment donné, mais c'était toujours compréhensible, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'espère que... Moi aussi, des fois, je t'entends un peu bugger. Ouais, voilà, mais ça, c'est à cause de mon PC portable, malheureusement. J'espère que ça ira. Bon, on parle déjà depuis 10 minutes, quasiment. Désolé pour ça. Maintenant, on va faire le petit tuto pour montrer comment réussir à se connecter. Donc, première étape, comme tu l'as expliqué, c'est d'aller dans joueur solo. Oui, ça paraît bizarre, hein, on veut jouer dans le multijoueur voilà. En ligne. Mais il faut d'abord aller dans joueur solo. Parce qu'il faut se créer une configuration réseau. Et pour créer une configuration réseau, il faut un profil qu'on crée en solo. Donc moi, je prends mon profil Benouille. Regardez, il y a toujours le Goumi, à l'époque où j'avais fait la coop avec Goumel. Il est toujours là. Après, c'est pas le seul accès au menu. On peut y aller directement dans multijoueur en ligne, mais c'est un peu plus long. Voilà, ouais, donc on va faire ici. Suivez le tuto si vous voulez le faire aussi, les gens. Donc, profil solo, vous en créez un. Moi, j'ai pris le mien de l'époque. Une fois que c'est fait, vous êtes ici, on va dans les options. On va tout dans le fond avec options en ligne. Tout à fait. Et là, vous avez la possibilité de vous mettre un pseudo plus long. Rappelez-vous, moi, j'avais dû mettre Benouille parce que j'avais pas assez de caractères pour écrire Benouille. Mais ici, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Regardez, Benouille 17, ça rentre entièrement dans le champ. Par conséquent, voilà, je m'appelle Benouille 17 en ligne. C'est beaucoup mieux. Comme sur PS3, du coup. Oh, alors, j'ai donné mon PSN, je vais recevoir plein de demandes d'amis. Non. Alors, attention, par contre, ça ne changera pas le nom de votre sauvegarde sur le jeu. C'est vraiment deux pseudos différents, le pseudo en ligne et le pseudo normal. Voilà, c'est seulement le pseudo en ligne qui est sauvegardé sur votre profil solo, du coup. C'est ça qui est un peu bizarre. Vous pouvez choisir votre skin principal, le perso secondaire au cas où vous faites du match à mort par équipe. On ne sait jamais. Gérer les favoris. Alors là, c'est pour vous mettre une liste d'amis. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris à quoi elle servait, hein, franchement. Bah, je t'avais expliqué, en fait, c'est quand vous êtes dans le mode en ligne,
si vous avez ajouté des personnes en ligne, donc leur pseudo, et bah s'ils sont dans une partie, vous verrez un smiley dans ce serveur. Ça aidait à l'époque pour savoir dans quelle partie ils étaient et les rejoindre. C'était bugué alors parce que quand tu étais connecté sur le serveur Europe, moi je voyais le smiley sur le truc Amérique, donc c'était un peu bugué. Oui, oui, non, mais ça c'était un bug qui est arrivé à tout le monde. C'est, donc voilà, c'est inconnu, enfin c'est inconnu Anon, trois petits points qui est dans ma liste d'amis. Oui. Et du coup, ensuite, vous devez aller dans configuration réseau pour créer la configurer le réseau nécessaire pour pouvoir jouer. Et c'est là que vous allez devoir être attentif si vous voulez y jouer. On va donc aller faire ça. Moi, c'est déjà fait, mais on va le refaire pour que vous suiviez les étapes et que vous puissiez faire la même chose de votre côté. J'espère que parmi vous, il y en a au moins un qui regardera cette vidéo et qui se dira « Ah ben, je vais tenter l'expérience ». Franchement, ce serait cool. Parce que vraiment, quiconque a juste un câble Ethernet, la console, le jeu, une manette, c'est bon. Hein. Vous pouvez vous connecter. Voilà, et une carte mémoire. Du coup, alors, nous sommes dans ce fameux magnifique menu de PS2. Un menu, waouh, avec des bruitages magnifiques que j'adore. Écoutez. Oui, moi, ça me fait tilt à l'époque. Moi aussi, ça va encore, mais quand je sélectionne des trucs, c'est marrant. Donc, on fait quoi déjà? Ajouter un paramètre? Alors, voilà, bon, on va faire comme si, bon, moi, je vais te suivre en faisant modifier un paramètre, mais toi... va dans ajouter un paramètre. Mais moi j'en ai déjà un de paramètre. Bah au moins ils sauront exactement que parce que c'est légèrement différent si tu fais modifier un paramètre. Donc... On va faire comme si tu l'avais pas fait. Ok, donc ajouter un paramètre pour commencer. Écoutez-moi ce magnifique bruitage. Magnifique. Fente mémoire 1. Magnifique bruitage. Donc là, vous allez à droite. Là, vous sélectionnez le matériel, donc il faut qu'il soit indiqué SCE/Ethernet. Network Adaptator, voilà. Une fois que ça s'est bien sélectionné, on va à droite. Commencer à saisir les paramètres fournisseurs d'accès à Internet, utiliser les informations que... fournisseur, ok, bon ça, c'était requis ou non requis, ça tu m'avais dit? Ça c'est non requis. Non requis, donc voilà. Vous allez à droite. Ici non requis. Ici droite. Là c'était définir adresse IP automatiquement, là c'est automatiquement, tu m'as dit. C'est ça. Alors là d'ailleurs, c'est là où je reviens sur le fait de pour héberger une partie, parce qu'en fait dans ce jeu, dans le mode en ligne, ce jeu a une particularité, c'est que pour héberger une partie en ligne, pour créer sa partie à soi, et pour que les gens puissent la rejoindre, il faut en gros modifier ce qu'on appelle les ports du routeur. Et pour ça, vous devrez mettre sur manuellement, et avec un peu de détail, rentrer des informations sur votre routeur. Mais bon, nous, vu qu'on ne le connaît pas le vôtre, bon, on va juste faire automatiquement. Et apparemment, c'est assez galère, mais voilà, c'est vrai que si vous voulez héberger une partie, vous devez faire tout ce bordel. Ce qui fait que c'est un peu compliqué, du coup. Nous, on pourra seulement rejoindre des parties déjà existantes, ce qui va être un peu problématique, parce que des fois, il n'y a pas vraiment de parties. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de joueurs, il ne faut pas vous attendre à des parties full dans tous les sens, faut bien vous en douter. Voilà. Et actuellement, d'ailleurs, il y a encore des problèmes. Il n'est pas totalement mis au point sur l'hébergement des parties. On n'en voit que très peu pour l'instant. Voilà. Bon, donc là, ici, c'est à venir. Donc automatiquement, moi que je laisse, mais voilà, si les gens veulent créer s'ils veulent héberger et qu'ils veulent faire le truc avec les ports routeurs, je sais plus quoi là, vous mettez manuellement ça. Voilà, automatiquement. Ensuite, prochaine étape, définir l'adresse du serveur DNS automatiquement. Là, non, tu m'as dit, il faut mettre manuellement. Là, il faut mettre manuellement. Voilà. Ensuite, voilà. Et donc, là, DNS primaire et DNS secondaire, il va falloir rentrer quelque chose en DNS primaire et quelque chose de bien précis. Je te laisse expliquer. Voilà, donc c'est un code que vous pouvez vous-même noter. Il n'y a pas besoin. Juste, si vous le savez, ça y est, vous pourrez jouer. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir, en fait. Voilà, c'est ce truc DNS-là qui est important. DNS primaire, en fait. Pas le secondaire. Voilà, juste le primaire. Et c'est là que c'est important. C'est le petit détail qu'il faut connaître pour pouvoir jouer en ligne aujourd'hui. C'est pour ça que je vous le montre. Voilà. Donc, clique sur DNS primaire. Oui, j'y suis. Voilà, donc vous pourrez changer les codes, enfin vous pourrez nommer des codes sur les quatre cases. On va commencer par celle de gauche. Donc sur la première, tu mets 45. Donc les gens, vous mettez exactement les mêmes codes que moi, tout ira bien. Alors, évidemment, les serveurs ici présents, je suis pas sûr à 100% qu'ils resteront ouverts des années et des années, tu vois. Enfin, vous voyez, je vous tutoie. Voilà, ça se trouve, ça va être disponible que quelques semaines ou quelques mois, on ne sait pas. Hein. Donc, ça, si vous regardez cette vidéo 2 ans plus tard... En général, c'est vrai que c'est pas sûr qu'il se peut qu'ils soient toujours en ligne, mais en général, ils tiennent longtemps. Hein. Il y a des jeux qui ont été mis il y a des années, et puis voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il se peut que dans 2-3 ans, si vous regardez cette vidéo, ça sera peut-être plus possible. Ou alors, peut-être que le code DNS sera changé, j'en sais rien, tu vois. Ce genre de truc. Les DNS...
ne change plus de depuis un certain temps. Mais oui, c'est possible. Mais après, je dirais que c'est pas plus fiable que les développeurs eux-mêmes parce qu'eux, ils l'ont fermé après 4 ans, quoi. Ouais, bah oui. Donc. Donc, dans le pire des cas, si ça marche pas, n'hésitez pas à faire quelques petites recherches sur Internet sur ce sujet. Il y a peut-être moyen de trouver, je pense. Voilà. Du coup, 45, deuxième chiffre. 7. Tout simplement. Troisième. 228. Voilà. Et le quatrième. 197 ou 197. Voilà. Une fois que c'est fait, on va Donc, encore. redis-moi le code au cas où. Donc c'est 45, 7, 228 Ouais. et 197 Oui. slash 197. Voilà, exact. Du coup, Donc, une fois que c'est noté, on va à vous allez à droite. droite. Et là, vous pouvez renommer votre Alors paramètre comme vous là. le voulez, peu importe. Voilà, exactement. Vous le nommez comme vous voulez. Moi, je l'ai nommé Medal of Honor Soleil Levant. Bon, ici, Et vous faites comme vous je vais le laisser en paramètre 1 parce que j'en ai déjà renommé un voulez. Oui, Soleil voilà, en fait. Levant. Voilà, tu pourras même le supprimer juste après celui-là, vu que tu Voilà. en as deux. Donc là, il y a un petit résumé de tout et pour vérifier si vous avez tout fait correctement. Voilà. Et puis vous validez avec un magnifique bruitage. Si on dirait un bruit de blague. Mais on se sent seul sur ce menu, il n'y a aucun bruit. Mais c'est des petits bruits comiques, c'est trop marrant. Une fois que la sauvegarde est terminée, vous aurez le test qui vous sera proposé. Faire un petit test de connexion, voir si tout a bien été configuré. Et si jamais il est validé positivement, ben normalement, vous pourrez jouer en ligne sans aucun problème. Voilà, des bruits de blague toujours. Hop! Magnifique bruit. La Pas de configuration guidée bracket. est terminée. Voulez-vous tester la connexion? Vous faites oui! On démarre le test. Et là, suspense, on va voir. Si mec le test est validé, c'est que tout a été fait correctement. Si mec c'est pas valide, ben c'est qu'il y a une couille quelque part ou que ça fonctionne plus. L'un ou l'autre. Et voilà. Voilà, succès du test de la connexion. Revenir au menu paramètres réseau. Du coup, moi, je vais supprimer un parce que j'en ai déjà deux. Voilà. Vous pouvez gérer. Du coup, ouais, j'ai le seuil levant et paramètre 1. Je vais supprimer le paramètre 1. Hop. Voilà, parce que je ne vais pas l'avoir en double. Ça ne me sert pas à grand-chose, hein, les gens. Mais voilà, vous aurez compris au moins comment il faut faire. Donc là, évidemment, Alors ne je. supprimez pas ici. Hein. Ça, c'est une étape que moi je fais Oui. parce que j'ai fait, mais ne le faites pas, vous, hein, si vous n'avez Voilà. aucun truc. Alors, je préfère prévenir au cas où, hein, avant de. Si vous branchez votre câble Ethernet pendant qu'elle est allumée, il se peut que ça ne soit pas détecté. Donc, juste avant de la brancher, mettez-la hors tension, donc éteignez-la. Et là, seulement vous la branchez et puis vous l'allumez. Voilà. Il se D'accord, peut que des voilà. fois, ça rame un peu Brancher si le vous câble l'allumez Ethernet entre-temps. avant d'allumer la PS2. C'est Voilà. recommandé. On va donc revenir sur le menu, ça va redémarrer le jeu. Et puis normalement, les amis, on va pouvoir jouer. Alors, on verra s'il y a du monde. S'il n'y a pas de monde, du moins pas assez, on fera une petite ellipse. Et je vous montrerai des parties plus intéressantes avec un peu plus de monde. Alors, généralement, il y a un mec AFK quand on joue. Qui est là pour, juste pour héberger une partie, parce que comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore tous héberger une partie. Voilà, donc il y a des gens Et on qui. ne peut pas tous. Donc il y a un gars qui sera dans la partie AFK qui reste connecté uniquement pour que la partie soit créée et qu'on puisse la rejoindre. Donc du coup, malheureusement, il y a un mec qui ne joue pas et qu'on peut farmer gratuitement. Mais bon, voilà. Si on le voit et qu'on tombe dessus par hasard, n'hésitons pas à faire un petit kill gratos parce qu'à mon avis, tout le monde le fera. Hein. Je sais que le fair play de base ça paye, mais là ici, ça m'étonnerait. Voilà, donc. Après, ça dépend. Si on voit qu'on est que nous deux, qu'on joue Bah que oui, nous mais deux, bon, là on va oui, pas là c'est tuer. différent, mais bon. Et si quelqu'un se rajoute, bon, plus de pitié. Du coup, j'espère que vous êtes prêts à voir ça. Un truc incroyable, hein, jouer en ligne sur la PS2 en 2021. Qui l'eût cru? Oh mon Dieu, putain, ça rappelle une miniature que j'ai vue ce matin. Black Ops 2, mais en 2021. Mais ça, par contre, c'est rien d'incroyable. Oui. Par contre, jouer à Soleil Levant en 2021, c'est déjà un peu plus incroyable. Du coup, maintenant que c'est fait, on va dans multijoueur en ligne. Et on va pouvoir jouer, les gens. Eh oui! Du coup, vous resélectionnez votre profil. Alors, je suis désolé si jamais il y aura un écho du son du jeu sur la vidéo.
Comme pour la vidéo Bonizo la dernière fois, et même pour la vidéo que j'avais fait avec Deslec en coopération sur TimeSplitter, le son sort de ma télévision pour ce tournage à plusieurs sur console. Par conséquent, je suis désolé s'il y a un écho du jeu. Pour le moment, je pense pas qu'il s'entend parce que j'ai mis le son de ma télé très faible le temps de faire ces trucs-là. Mais quand je jouerai après, je vais le monter un petit peu pour que je puisse entendre. Donc voilà, j'essaierai de bien les superposer pour que ça s'entende le moins possible. Mais si vous entendez un petit écho, c'est normal. J'espère juste qu'il ne sera pas trop dérangeant. Le chargement est long de base, hein, c'est normal. Oui, les temps de chargement sont longs, les gens. PS2 plus mode online, c'est encore plus long, quoi. Alors, surtout qu'en plus, moi, bah, j'ai pas une très bonne co via mon CPL. Du coup, voilà. On attend ici. Il va nous connecter au serveur. On attend. Voilà, ça progresse. Tout va bien. Il te fait authentification DNS, pardon. C'est bien ça. Après, il va faire veuillez patienter, connexion en cours, normalement. Pas encore, mais bientôt, je suppose. Voilà. Et voilà, donc on va jouer en ligne sur un jeu de PSE. Voyez-vous, les gens. C'est génial. Donc là. Dis-moi quand t'es arrivé. Là, il y a les accords et tout. Hein, évidemment, vous acceptez. Et voilà, nous sommes dans le menu en ligne où il n'y a aucune musique, c'est triste. Oui. Et l'image a l'air plus grise d'ailleurs. Oui, derrière l'arrière-plan, on dirait presque que c'est du noir et blanc. Et donc, si vous pouvez héberger, vous avez fait tout ce qu'il faut, bah vous allez dans héberger. Où là, vous avez un menu qui ressemble un peu au menu du mode multijoueur en écran partagé. Il y a même des trucs un peu buggés. D'ailleurs, sachez une chose, c'est que dans le mode online, et ce qu'il n'y a pas dans le mode écran partagé, c'est des grenades fumigènes. Regardez, oui. On peut choisir type de grenade fragmentation ou des grenades fumigènes. C'est très bizarre parce qu'il n'y a pas ça dans le mode écran partagé, mais il y a ça en mode online. Très bizarre. Commande vocale, il y a même moyen de parler en vocal. Bon, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque. Hein. Aujourd'hui, à mon avis, plus personne ne le fait. Et d'ailleurs, c'est possible de le faire, mais voilà, personne ça m'étonnerait fait. Que quelqu'un le fasse. On peut mettre du nom de serveur, on peut mettre un mot de passe si vous voulez jouer en privé. Ouais, il y a tout pareil, la map, le type d'arme. Ça, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo à l'époque. Si vous voulez la voir, bah, allez voir, ce sera un peu plus complet, expliqué. Mais aujourd'hui, évidemment, on n'héberge pas, on rejoint, on n'a pas le choix pour le moment. Du coup, là, on arrive donc dans la liste des serveurs qui est en train de se charger. C'est pas que ça prenne un certain temps, et si c'est le cas, fais retour et rejoins. Ou rafraîchir la liste, peut-être. Ouais, ça peut marcher, mais en général, c'est mieux de faire retour. Alors, rafraîchir, ça suffit. Et donc là, on voit le nombre de serveurs qu'il y a de créés dans les différentes régions du monde. Et pour le moment, il n'y en a que deux en Europe. Bah, c'est tous les... Mais quand je vais dans Europe, pourtant, on n'en voit qu'un seul. La raison, c'est qu'à mon avis, il y a un autre serveur qui a été créé quelque part, qui a été hébergé quelque part, mais le gars a hébergé un serveur sans ouvrir ses ports, ce qui fait qu'on ne peut pas le rejoindre, du coup. Donc, il est hébergé voilà, parti où il est tout seul. Et vous. Du coup, on est malheureusement... En fait, il y a plein de gens qui trouvent. De quoi? En fait, il y a plein de gens qui font des tests et qui ne ouais. comprennent pas encore. Malheureusement, du coup, on nous impose un type d'arme qui ne change jamais. Heureusement, il y a une tournante des maps quand même. Mais voilà, on est limité à 10 minutes et à 10, et seulement aux armes américaines. Et pour le reste, bah, là au moins, les maps changent. Donc voilà, le serveur qui s'appelle I am Lupo, et c'est justement le mec qui héberge la partie et qui est donc quasiment tout le temps AFK, je suppose. C'est donc du match à mort classique. Et moi, je m'empresse de le rejoindre. Tout simplement, les amis, nous sommes sur la map Les Dessins de Shima. Et je vais me connecter en ligne. Bon, là, visiblement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ben, j'ai vu qu'un sur 8, donc il y a juste le gars AFK qui est là. Par conséquent, je vais peut-être vous faire une ellipse. On va peut-être jouer à deux d'abord pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, regardez, là, je suis là. Regardez, on voit l'écran. En l'écran, inconnu anonyme est connecté, est entré en jeu. C'est incroyable. On est sur PS2. Et on joue. L'interface a un petit peu changé, hein. On voit à droite de l'écran le nombre de kills et de morts, ce qu'il n'y a pas en écran partagé ni en mode arcade. Et ça, c'est le mec qui a AFK du coup, et là-bas, il y a un connu anonyme dans le fond, on le voit, il est là, il court. On voit le chrono en bas à gauche. Ah, il me tire dessus direct. Et on voit mon chrono en bas à gauche. Non, mais du temps à respawn par contre, ça c'est vrai. Voilà. Ah, t'es mort. Oui, oui. Alors, le petit point d'exclamation qu'on voit en bas à gauche, c'est par rapport au chat vocal. Quand il est vert, c'est quand il est actif. Quand il est blanc, c'est qu'il est inactif. Et rouge, c'est quand quelqu'un est mute. On peut le faire via ce menu-ci, ici. Ah, lui, il en prête pour me buter, alors je manque les menus, tout. Il y a une latence sur le vocal. Vous pouvez faire pause quand... Ah bon? Ouais, j'ai remarqué.
Hein, j'ai pas eu cette impression. Du coup, quand vous faites pause, vous voyez le score. Hein, on voit toutes les personnes. Quand c'est vert, le chat est actif. Ce qui est bizarre parce que là, il est blanc. Ah, en fait, c'est en permanence, quand tu parles, j'ai l'impression que t'as de tension quand je te pose une question. Ouais, mais c'est parce que je suis concentré sur ce que je dis. Vous pouvez muter des gens. Par exemple, si je sélectionne un connu anonyme, je peux le muter. Voilà, là, il est muté. Ça devient rouge, incroyable. Mais bon, je parle sur Discord, donc j'entends toujours. Et pour le reste, bah, c'est exactement pareil. Du coup, là, bah, c'est des combats classiques. On peut s'entretuer, voilà. Incroyable. Et c'est une mêlée générale. Voilà, je l'ai tué. Incroyable. Et c'est celui qui a fait le plus de kills à la fin de la game qui l'emporte. Et si jamais il y a une égalité, bah, c'est le nombre de morts qui va départager. Tout simplement. En plus, il n'y a pas vraiment d'écran de gagnant en fait. Hein. C'est juste, vous voyez vous-même. Oui, on voit juste le score final. À la fin, qui a le plus de kills. Alors, désolé pour ma manette qui fait des tremblements de terre incroyables. C'est même ma PS2 qui vibre énormément sur ce jeu, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je vais légèrement monter le son à partir de maintenant, les gens. Désolé si, à partir de maintenant, il y a un écho qui s'entend un tout petit peu plus fort. Je vais quand même pas mettre le son trop fort pour pas trop vous déranger dans la vidéo. Mais voilà, je monte un peu le son. On va faire une première partie comme ça, juste inconnu anonyme et moi. On verra si des gens rejoignent. Et si jamais il n'y en a pas d'ici là, ben, je vous ferai une ellipse pour des parties un peu plus mouvementées. On va éviter de tuer IM Lupo, du coup. Oh, magnifique kill. Bien joué. Ouais, il y a de la latence sur le vocal. Un petit peu. Ouais, bah à chaque question, je vois que tu prends une ou deux secondes à me répondre. Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui a de tension. Hein. Non, d'habitude t'es hyper actif. Ouais, mais c'est parce que là, je dois m'adresser à toi et aux gens qui regardent la vidéo. Par contre, moi j'ai de la latence sur le jeu. Parfois, je suis caché derrière un obstacle que je me prends. Ouais, mais ça, en vrai, ça arrive à tout le monde. Mais toi, je pense que tu vas quand même avoir le plus de latence. Ouais, parce que moi je suis en CPL en plus. Voilà, qu'on a de merde. Ouais, c'est vrai. Quoi, t'es pas mort là? Et t'as vu, vous avez eu l'exemple parfait là, les gens. J'étais clairement caché derrière le mur, mais je suis quand même mort. Ça, c'est à cause de ma connexion qui n'est pas ouf, voyez-vous. Du coup, on va terminer cette partie, on en fera peut-être encore une après à deux. Oh! Et après, on attendra qu'il y ait plus de joueurs. C'est incroyable quand même, les gens, vous trouvez pas? Jouer en ligne comme ça sur PS2. Moi, il va me falloir du temps pour m'en rendre compte. Ah, c'est simplement incroyable. Je devais absolument faire une vidéo là-dessus, c'est tellement incroyable, moi qui adore la PS2. Je t'ai vu. Oh putain, il est toujours là, merde. Yes. Je pensais que t'étais parti. Oula. Tu m'avais pas vu. Mon écran qui a freeze et ma manette aussi, c'est bon. Ça, c'est des petits bugs sur mon duo mode online. J'ai eu des petits freeze de temps en temps déjà. Oui, ça m'est arrivé. Ouais, des petits freeze, c'est rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est rare. C'est rare, oui. Là, par contre, il y a le chrono. Il y a le chrono qui est bizarre oui, aussi. Oui, le chrono est full buggé, sachez-le. Le chrono en bas à gauche n'est pas exactement précis. Des fois, il y a 20 secondes qui disparaissent. Des fois, il y en a 10 qui réapparaissent. Pff. Parfois, il reste 10 secondes que la partie prend fin subitement. C'est un peu bizarre. Mais bon, on va pas se plaindre, au moins on peut jouer en ligne, c'est incroyable. Putain, je suis pas concentré assez. J'avoue, moi j'ai pas de... Bon, lui, je pourrais le tuer, mais je vais pas le faire. Parce qu'il a AFK, c'est lui qui héberge la partie bien gentiment. Ouais. Fuck. Merde, y'a plus de trous, c'est la vune ici d'habitude. Reviens là! Oh, enfoiré! C'est ton fusil à pompe qui m'a tué, non? C'est pas la grenade. Je sais pas. Je pense que c'est le fusil à pompe, je vais l'exploser après. Moi que c'est la latence qui a encore fait des siennes. Donc déjà, le fait que les gens voient 3 joueurs, ça va peut-être les attirer. Et de 2, peut-être que j'ai un ami qui rejoindra. Peut-être. Hein, Mais c'est vrai qu'on sera peut-être plus nombreux. Ouais, tu m'y headshot là. Ouais, tout à fait. Bon, faut un peu que je me réhabitue au jeu aussi, les gens, parce que... Pour le moment, pour rappel, c'est TimeSplitter qui est en cours. J'avais fait une pause des Medal of Honor, mais bon. J'ai voulu vite sauter sur l'occasion ici, parce que je ne sais pas. Ça se trouve, dans une semaine, ça fonctionnera plus, donc je veux en profiter. On sait jamais. Au moins, s'il referme très rapidement, t'auras des images du jeu. C'est ça, c'est pour ça que je voulais le faire rapidement, les gens.
Bon, moi, ça prouve que Medal of Honor, j'ai pas oublié. De toute façon, Medal of Honor, ça va reprendre, les gens. What the fuck? Medal of Honor, ça va reprendre après Tiny Twitter, hein, ça je vous l'avais dit, les gens, donc pas de panique. J'ai pas fini avec les Medal of Honor. Merde, j'ai changé d'arme trop vite. Prends ça! C'est une bonne arme, ça. Putain, j'ai de la merde. Oh! Ah, tu on s'est entretué! Ouais, ça arrive souvent dans le jeu. Hein, ouais, bah déjà, en écran scindé, ça arrivait souvent avec Boomel à l'époque. Ouais. Du coup, ça me fait bizarre de ne... Pour moi, c'est juste un jeu full solitaire, là, le fait de voir des gens. Ça fait bizarre. Laisse-moi tranquille. Comment je t'ai pas tout à voir, là. Mais... Oh, ça, c'est chiant. Des fois, j'ai l'impression que j'ai réussi à t'échapper en me cachant derrière un mur et... Eh ben non. Oui, ça m'arrive. Oh, mais non, ah, encore putain. C'est moi qui ai cru t'échapper là. En fait, tu sais que t'es mort, mais que ah, après. Oui. Parlons des points de respawn. Ah, on oublie d'en parler. Parlons on oublie ça, d'en parler. Parlons des points de respawn. Oh merde. Mais en même temps, un connu anonyme, il a tryhardé ce jeu toute sa vie. Oui, c'est vrai. Il fait qu'y jouer tout le temps. Tu m'étonnes qu'il domi-stress 5. Qu'il a fait je crois. Moi j'ai dit tu domines 13-5. Tu domines 13-5. Hein. En même temps t'as fait 2 kills pour bonjour. J'expliquais les choses. Mais what, c'est bugué là. What, je comprends pas. T'es où? Non, toi, t'es où? Mais j'ai pas bougé. Ah, il est là. What, mais j'ai même pas vu. Je te voyais pas dans les gars. Mais sinon, j'étais accroupi. Ah, t'étais bien caché, hein, putain. Parce que je t'ai pas vu. Voilà, regardez, quand regarde, il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Non, là, ça va. Là, le chrono n'a pas bugué, cette fois. Voilà, bon, ça se finit là, très brutalement. La partie terminée un peu après. Ça se finit très brutalement. Donc là, on voit le score pendant le temps de chargement qui charge la prochaine map. Et puis la prochaine partie commence direct. Donc vous avez juste le temps de voir votre score ici, puis ça commence. Ça enchaîne. Il n'y a pas de menu, il n'y a rien, ça enchaîne les parties. Hein. Sachez-le. Oui, mais au moins c'est rapide. Bon, on va en faire une dernière, nous deux. Je vais essayer de bien me concentrer maintenant. Donc, I am Looper, on évite de le tuer. Je vais bien me concentrer à partir de maintenant. Une dernière partie ensemble. Je vais monter un peu plus mon son quand même. Voilà, désolé si vous entendez l'écho, du coup, les gens. C'est pas cette. Pas cette map. Allez, je me concentre les gens, on en fait une dernière 1v1, puis après on attendra qu'il y ait plus de monde pour reprendre la vidéo. Je vais jouer bien stratège, bien discret. Cette map elle est particulière, j'espère que vous voyez clair sur YouTube vu que c'est une map fort sombre. Oh mais non, mais c'est pas possible. Sûr, au moins, ça faisait longtemps que tu m'avais vu, un peu, je suis quasi sûr. Je t'ai vu depuis un moment et tu m'avais tiré en premier d'ailleurs. Heureusement que t'as un skin bien différent de Lupo parce que ça me permet de bien te différencier. Ouais, bah oui. Attends, je suis quasi sûr que je t'ai vu là-bas. Moi j'ai le skin du mec anonyme. Putain, c'est pas toi que j'avais cru voir là-bas, putain, fais chier. Je suis persuadé d'avoir vu là-bas. Oh. Non, tricheur! Oh, ça va! Ah. Je t'ai vu. J'ai mal. Je t'en ai mis une, ouais. Oh, mais non! Mais je croyais encore t'avoir échappé! C'est frustrant à mort! C'est frustrant à mort, ça! Et du coup, ouais, malheureusement, sur le mode en ligne. Oh, mais non! Sur le mode en ligne,
Il suffit juste de pointer un peu de votre viseur sur votre adversaire et il fera écrit en gros plan « C'est lui, ouais, Benoît 17 !» Très vois. Discret, hein. Regardez, attends, expérience, tire pas. Regardez, imagine, je suis là. Où est-ce qu'il est? Je me le demande. Et là... Oh, mais il est là-bas. Voilà, on peut reprendre. La particularité, c'est quand même c'est un mode en ligne avec vraiment de la vie, une barre de vie, et sur les maps, il y a de la musique. Il y a de la musique sur les maps. Il y a, c'est vrai que barre de vie en mode en ligne, c'est vrai qu'on connaît pas ça aujourd'hui. C'est pas très commun. Mais c'est pas possible. Et non, mais vraiment la latence, c'est énorme. On dirait qu'il y a presque une seconde. Ah bah, moi c'est aussi ça, mais je pense que toi ça doit être encore plus vu que t'es en CPL. Mais voilà. Du coup, j'ai hâte qu'on puisse héberger une partie pour qu'on puisse au moins changer d'arme. La dernière fois, on avait réussi à, ouais, c'est vrai. À aller sur les serveurs d'Amérique du Sud. Oui, on a réussi à se connecter à un serveur d'Amérique du Sud où là, la configuration des armes était un peu différente, ça vous a dit bien. Putain, rien, je me fais défoncer. Mais la connexion était un peu plus... Et il soigne, allez. Oh, mais non, mais... Je suis nul, en fait. Non, c'est juste moi qui est fort. Mais non, t'as juste tryhardé ce jeu toute ta vie. Donc, je suis fort. Oui. Juste que j'ai tryhardé tout de même. Non. tu vas bien, je te rassure. Ouh. Oh, oh oui. Mais là je t'ai même pas vu, hein, t'étais bien caché. Je levais tout doucement ma tête. Et du coup, en attendant... Là-bas, y'a Ayam Lupo, regardez, on le voit même pas, mais on voit son pseudo apparaître. Mais je te mets des balles, je t'entends faire... Mais tu meurs pas. Oh merde. Alors, c'est une grenade aussi. Genre t'es pas mort. Mais non, mais c'est pas possible. Il t'ai mis un milliard de balles. Vas-y, est en rouge clignotant. Ah bah tu m'étonnes. Bah j'ai failli tirer sur Ayam Lupo. Oui moi aussi. Oh mais non! Même mes strats pour contourner, elles marchent pas! Regardez ça, il me défonce. Je me disais bien que t'allais essayer. 8-2! Je me demande si la latence me donne un désavantage ou pas. Bah, je pense que vu que t'es en CPL, oui. Hop! Non mais non, ça ne sert à rien! Il m'a one shot. T'as fait la trousse, mais je t'ai tiré en pleine tête avec un fusil à pompe. T'avais pas grande chance de survivre. Alors que de mon point de vue, tu me visais pas du tout. Mais putain, j'ai même pas entendu les bruits des balles. Oui, ça arrive aussi. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est un jeu PS2. Il y a quand même pas mal de défauts, oui, même sur PS3. Bon, rien que le fait de pouvoir jouer en ligne, c'est incroyable. C'est fun, hein. Vraiment c'est fun. On tourne vite en rond. Mais bon, c'est là par exemple, on peut même pas changer d'arme, pas encore en tout cas. Oula, merci pour le cadeau. Mais c'est pas possible. Comment tu peux me tuer de si loin avec un fusil à pompe? Il a une plus grande portée que tu penses, hein. Et sous-côté le fusil à pompe, hein. Essaye le fusil à pompe. Bah moi j'arrive pas à viser avec. Bah moi des fois je prends quand même un petit temps pour viser et ça peut me permettre de te tuer. Oh, mais quoi? Mais non! Je pensais que je t'avais échappé! Moi, de ce que j'ai vu, je t'ai mis une balle dans la tête, je t'ai vu en train de tomber, et je suis tombé juste mais après. Mais moi aussi! Tu vois, en fait, c'est... de base, il y a de la latence pour tout le monde. Mais toi, il doit en avoir quand même un peu plus. Putain.
J'ai une balle, voilà. Va te soigner. Petit changement par rapport au mode avec les bots sur le jeu. Toutes les mitrailleuses fixes ont été retirées. Ouais, c'est vrai ça. Les mitrailleuses fixes qu'il y avait sur les maps ne sont plus là. Évidemment, ça aurait été cheaté. Yes. Quoi ? Une grenade ? Ouais, t'as même pas entendu le bruit, non, c'est ça ? Non, non, j'ai pas entendu le bruit de l'explosion de ta grenade. J'ai entendu celui de la mine. Oui, ça arrive en fait. Quand tu te fais tuer par une grenade, t'entends pas l'explosion. En tout cas, souvent. Attends une seconde. Oh merde, pardon. Oh merde. Au moment où tu... Attends de... Je tire. Oh, y'a un mec qui se connecte. Y'a un gars qui se connecte. Attends, quoi, y'a un mec qui... Oui. Y'a un mec qui arrive. Oui. Yes, bah... Je te vois. Attends. Deux secondes. J'ai trop tenté de tirer. Parce que quand l'autre mec va se connecter, il hésitera pas à tirer lui sur les mecs AFK. Faudra que je le fasse aussi. Dont I am Lupo du coup. On pourra s'en servir. Il est là. Je tire. Voilà, regardez, en haut de l'écran, tous les kills qui a lieu. Le mec a tué I am Lupo qui est AFK, donc voyez-vous. Faut pas se gêner, faut le faire aussi. Ah, peut-être qu'il y a du monde qui va arriver, du coup, les gens. Ok, je suis de retour. Ça y est, le gameplay va devenir un peu plus intéressant. Bam, il meurt. Mais putain, c'est vrai que le pompe, il a l'air cheaté, mais moi, j'arrive pas à viser avec. Bah, moi je suis plus à l'aise, c'est sans doute ça. Bon, est-ce que 3 mecs qui jouent ensemble avec un mec AFK, est-ce que c'est assez pour pas faire d'ellipse? Je ne suis pas sûr. En vrai, vu que là on est 3, on peut peut-être faire une game en plus à 3. Ouais. Mais tu es Lupo. Hein. Oui, mais non, on le tue, t'inquiète. Bon, fin de la game. Bon, ce sera plus intéressant pour lui déjà quand on lancera la partie. Ouais, voilà. Parce que là, il vient d'arriver. 17-5, que tu fais incroyable, mais what the fuck, moi je suis loin derrière, putain. Bon, on va donc être 3 à se battre, I am Lupo. On pourra le tuer pour le farmer un petit peu. Voilà, si on le croise, on le tue. Ouais, voilà, c'est parti. Bah, sur alors... la map de Pistol Pit, mais je sais plus quoi le nom de la map. Ça commence fort, dis donc. C'est coup de force. Putain. Le nom de la map, c'est coup de force. On dirait que tu vises tellement facilement sur ce jeu. Je trouve que la sensibilité, c'est dur d'être précis, moi, je trouve, avec la sensibilité de ce jeu. Et puis les déplacements des gens sont tellement nets, tu vois, que c'est dur de... Ouais. Oh non. Ah, t'es fait un bout... Une belle brochette. Bah, en même temps, j'ai mis un mec AFK dans la brochette, donc... Putain, je vois pas. Mais non. Calme-toi. Mais t'as trop tryhardé ce jeu, on peut pas jouer contre toi. Oh, je suis bon en FPS console, hein, mais là. Compliqué. Il était à moi. Non. Je m'en vais. Fouleur. Oh merde. Merde. Ah, attends. Ça marche. Waouh. J'ai pris des dégâts juste après être mort. J'ai espéré que ça te tue. C'est vraiment Clayton? Ah oui. Elle m'a fait gaffe. Clayton, c'est le mec avec le chapeau. Oui. On peut choisir notre skin, c'est cool que on peut distinguer les gens grâce à tout ça. Tu m'as interrompu. Yes. Aïe.
Ah, j'avoue qu'à courte portée, le pompe il est vraiment cheaté, faut pas hésiter. Quand t'as courte portée, c'est dur, c'est encore plus dur de viser vu que ça bouge tellement. Ah, j'avoue qu'on peut tirer de loin quand même. Ouais, non, le pompe est quand même pas mal, ouais. Utilise le plus, hein. Je vais essayer. Quitte à le surexploiter. Oh non, ah, merde. Quand on est mort, on peut faire pause. Ah, oh, égalité. En fait, on a le même score. Enfin. Égalité, ouais. Oh putain. Je t'ai vu pousser du sol. Mais non, c'est normal, je suis une plante. Ah, oh, mais t'as volé ton kill. Oh non, je pensais que toi, c'est moi qui t'avais eu. Faut que je me venge. Non. Mais j'étais pris en sandwich. Et en plus, il y a eu un loupeau derrière, j'aurais pu me faire une brochette, mais j'osais pas. J'ai peur qu'il y a un mec qui me spawn sur la gueule, parce que des fois on peut spawn à deux exactement au même endroit en même temps. Et ça, c'est très perturbant. Ouais, et on se bouscule en spawnant, quoi. T'es cerné. Merde, mais j'étais bloqué! J'étais bloqué dans un truc! Oui, oui, ici on peut se bloquer. Oh putain, je suis bloqué! J'étais justement bloqué dans le même truc. En fait, faut pas essayer de sauter ici. Ah oui, d'accord. C'est ça, faut pas sauter. Ok. Ah, j'allais dire, en fait, j'aime pas. On peut faire les coups de crosse aussi. Oh, c'est bon. C'était ridicule. En fait, toutes mes armes étaient en mode rechargement. C'est compliqué de te tuer. Tout. J'ai entendu à travers ta télé. Bah, il y a l'écho, désolé les gens si vous l'entendez. Bon, il sera marqué avec pour. Ah putain. Ah non! Je t'ai mangé. Ouais, moi j'aurais bien faire les deux kills moi. Loupo. Oh, inconnu anonyme. Aïe. Oh putain, j'ai pris des dégâts après que tu sois mort. Les trop chirurgicales qui font des bruits de bisous. Hein. Enfin, selon moi. Non, selon moi. Non, c'était moi qui avais dit ça. Ah bon? Non, tu disais que toi c'était. Ah non, 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 moi c'était les lèvres qui flèchent, c'est vrai. Voilà. Oh putain, mais ce pompe il est cheaté quand tu t'en sers bien. Ouais. Est-ce qu'on aura l'occasion d'avoir plus de monde pour la vidéo? Ce serait vraiment cool. Bah peut-être que mon pote me rejoindra, peut-être, hein, je dis bien peut-être. Cette map elle a l'air grande, en vrai elle est petite. Elle est petite. Je trouve. Yes. Oh, le pompe faut bien s'en servir. Hein. Ah, des fois, je sais jamais si c'est sur moi qu'on tire ou pas. Oui, parce que la position du son est un peu foireuse sur le mode en ligne. Ça fait beaucoup de défauts là. Ouais, après, c'est pas les. Ouais, c'est quand même des défauts, mais pour un jeu PS2, faut pas oublier que c'est un jeu PS2. Un mode en ligne, c'était une première dans les Medal of Honor. Non. Je trouve que c'est pas catastrophique pour une première. Ça n'était pas une première. Enfin, sur console. Sur console, oui. Parce qu'il y avait débarquement allié. Débarquement allié là. Voilà. Wow, Clayton il s'est téléporté. Putain. Oh, mais il est là lui. Clayton. C'est dans quoi ça? Dans Tarzan. Ah oui, oh, tout simplement. Je sais pas si le bruit de ma manette s'entend fort. Oui, oui, moi je l'entends. Mais j'ai le réflexe de mettre ma manette proche de mon visage. J'ai l'impression d'être plus concentré sur l'écran pour ça. Merde. Est-ce que ma grenade a... Il a volé mon kill. Je me fais dominer là, je pense. Oh, quand même.
Ray Clayton, c'est pas le joueur le plus nul que j'ai vu. Au moins, on a un mec qui tient la route. Et ça serait sympa qu'on arrive à se faire un match à mort par équipe. Ça serait incroyable. Ouais. Ah, fuck! Il dribblait entre mes balles de pompe. T'étais entouré, hein, vraiment. En plus, ouais. Mais j'essaie de te mettre des coups de crosse dans ton dos. Oh merde, voleur de kill. Où est-ce que tu t'es barré? Oh. J'ai entendu tes pas. Comment tu veux qu'on rivalise? Oh yes. Aïe. 29. Moi, je pensais que j'étais mort plein de fois. Prétention. Ah, je pensais que j'étais mort plein de fois. Oula. Et lui. Oh mais non, mais c'est un truc de fou. Comment ça que tu me one shot? Synchro avec moi. Oh, je m'en doutais. Ah, putain. Je le sentais, je le sentais. On était tous les deux immobiles, on commence à se faire toucher, la cadence de tir est la même, et c'était obligé. Et on spawn en même temps. Et au même endroit. Bah, en même temps, c'est logique, mais au même endroit, c'est... Qu'est-ce que... Oh, t'es peut-être mort. Non. Non. Presque, hein, moi aussi j'ai eu peur. Mais j'ai tué Clé. Ah non, t'as eu peur, moi j'ai pas eu peur, moi j'espère. Par contre, j'ai fait beaucoup de kills cette fois. Mais oui, enfin, putain, 35. On aurait dit là. Ah, mais c'est toi, putain, je pense que t'as eu une peau. Ouf. Ah. Oh, quoi? Mais de mon point de vue, j'étais vivant. Oh la vache. Ouais, je sais, c'est horrible. De mon point de vue, je suis rassuré en mode yeah, j'ai survécu. Et la seconde d'après, t'as la déception. C'est la surprise à chaque fois. En plus, toi, c'est pire avec le CPL, du coup. Mais dès que tu dois entendre un fusil à pompe te tirer dessus, tu dois flipper. Tu dire, oh non, c'est encore un connu à venir qui va me casser les couilles. Putain. Il y avait Clayton juste derrière toi et je l'ai buté en essayant de te tirer dessus. Le chrono, il bug pas trop pour le moment, c'est cool. Bon, est-ce qu'on continue comme ça? Ouais, on va un peu continuer sans faire d'ellipse, comme ça au moins vous avez les différentes maps, c'est sympa aussi. Au moins, ouais. Pourquoi si on fait tout le tour des maps et qu'on est toujours que 3, là je ferai des ellipses pour essayer de faire des parties plus complètes ensuite. La vidéo sera peut-être assez longue, mais bon, vu que c'est une opportunité assez rare, les gens, je veux quand même qu'on en profite avec une bonne vidéo. Donc, Orient Funeste. Non, je pensais que c'était un mec qui s'était connecté qui s'appelait comme ça, je suis tombé. Oh non. Non, c'est le nom de la map. Orient Funeste, tout ça, qui ça? Cette map-ci, je l'aime bien, franchement. Ouais. Peut-être un peu sombre, mais avec du brouillard, c'est pas ouf. Pour YouTube, mais bon. D'ailleurs, hier, non, c'était il y a deux jours, on avait exploité quelques bugs. Quelques bugs. Enfin, non, quelques. Avec la map, on avait escaladé des trucs. Oui, on a atteint des toits, je pensais inaccessibles et tout. Sur cette map. Je t'ai vengé. Parce que oui, il y a deux jours, on a fait une petite session quand même pour découvrir ça. C'est là que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. 50 balles de Thompson. Au moins, à droite de l'écran. À droite de l'écran, les gens, on voit au moins. C'est quoi ce combat? Pas besoin de. Mais non! Oh, je suis où? What? Je savais même pas qu'il y avait ce petit coin là. Je disais, mais il est rentré dans le mur, comme dans Harry Potter, c'est ça? Comme dans Harry Potter. La voix de Francard. Oh, mais putain! Hein, au moment où je tourne la tête! Ah, il a essayé de camper ici, mais il m'avait pas vu. J'aime bien cette map. Oh, mais je non te vois. Putain.
nul à chier depuis tout à l'heure, tu tout le monde. Hein. Regarde le score. Oh putain, oh, ça m'a fait peur, je changeais d'arme. Ouf. Mais tu tues tout le monde. Ah non, c'est toi qui t'es fait tuer là, ok. Ça c'est très parce que des fois tu peux respawn. Ah, Clayton est... Il respawn juste derrière toi. Bah pour le moment il est devant moi. Hein. Et Clayton est tellement pas. Rattrape ça. C'est mon kill! Mais non. Wow. Non seulement il me tue, mais en plus j'ai. Je les ramasse miettes. Oula, on a failli me tuer. Plus de balles. Allez! Attention! Putain, hey, je joue mal les gens! Ok, on va jouer différemment. À partir de maintenant, je vais jouer. Ouh, il m'a mis mal, putain, alors que. On se battait dans un coin de la ville. Oh. Bien joué. Je l'ai vu spawn. Quand il bougeait plus, j'ai peur qu'il soit en train de se déco. En mode, ah putain, non. Ça me saoule, il me défonce là. Ah yes. Bon, on est en train de me battre. Ah bah, j'avoue. Bah, au moins, ça pourra l'encourager à rester. Dans un sens. Reviens à la fenêtre. Non, t'as pas envie. Oh, ah mais non, mais j'en ai marre là. Mais tu vas tellement vite. Tu oh, t'as dit amen. De quoi? T'as dit amen. Ah oh, mais. Du coup, ouais quoi, tu disais? Tu me tues en bougeant avec une carabine à longue distance, mais what the fuck, et tu t'as tiré deux fois, deux balles, pof, comment c'est possible? Ouais. Regarde ton putain de score suis... Et regarde mon putain de score, surtout. Reviens à la fenêtre. Voilà. Oh putain, j'ai vu un truc blanc au loin, mais c'est quelqu'un ça? C'est Clayton? Clayton. Et non, c'était lui. Il est où d'ailleurs, Clayton? Ça fait un moment que j'ai pas vu. Ah, apparemment tu l'as. Ah mais il est là. Et Mupo. Non non non, tu me tues pas comme ça, ça ne se fait pas. Oh, ça aurait été beau de me tuer. Surtout qu'il y a très peu de dégâts de chute dans le jeu les gens. Mais non mais. Ouais. Je suis en bas et je suis mort. N'importe quoi. Les dégâts de chute sont très faibles. Mais il existe à Yamuko? De quoi? Il existe à Yamuko? Je vois pas. Il est sur la map, hein, mais je pense que sur cette map il doit y avoir des emplacements bien cachés en fait. Et je pense qu'on pense pas assez à chercher. Ouh là, Clayton! Ah, oh, il m'a tué! Bien fait. Où est-ce qu'il est? Je sais qu'il est là, mais. Il m'a mis mal, Clayton. Oh merde! Bonjour! Grenade! Grenade! Oh non! Oh, mais non!
Ah non, je veux pas finir dernier. Enfin, troisième, mais c'est dernier du coup. Du coup. Je ressemblerai pas au grand Benoît de finir dernier. Le grand Otavio. C'est pas possible, lui il crève pas. Oh, je t'entends dire recharger alors que je suis mort. T'as rechargé. J'ai rechargé juste après. Ouais, exact. Il est où? Mais il était là il y a deux secondes, j'ai rien compris. D'accord, il s'en bat les couilles de moi. Je vais rentrer quelque part. C'est vrai qu'il y a aussi, il y a les souterrains, hein. Mais ouais, on ouais, pense ouais. Pas à y aller. Non, mais oui, c'est là-bas qu'il est à Yemlupo. Je vais aller voir. Ouais, ça doit être dans les souterrains. Enfin, dans le caniveau. Ah non, 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 c'est pas ça. Mais c'est pas possible! Je pense que j'ai vraiment une merde. Hein. En fait, je pense que je sais ce qui me dérange en ce jeu, c'est que la visée est trop brutale en fait. Dans Time Splitter, la visée est plus souple. Et c'est quoi ce dingue, bien sûr, ce délire. Regardez ça, les gens, je fais que 4 kills. C'est dingue, là. Qui d'avant, c'était pas mal, mais là, c'est nul à chier ce que je fais. Franchement, j'aime bien cette map. Hein. Yes. Oh, yes. Oh, ça fait du bien. Oh, tu l'as rappelé. Oh, ça fait du bien. Oh, et t'as une mort de moins que lui. Du coup, là, si ça se termine, là, tu gagnes. Ah bah un des mecs qui a relancé le jeu, on va sur son serveur. Faisons une partie ce soir. C'est con. Ah ils auraient bon. Pas pu en faire une maintenant là. Bah dans 4 minutes c'est le soir. Ah bon bah, ouais mais eux ils sont aux États-Unis du coup là. Ah merde, ah ouais mais non, c'est mort. Je crois qu'ils sont 4. Bah oui mais de toute façon s'ils sont 4 heures après ou même 4 heures avant. Bah non parce qu'ils viennent. Les États-Unis sont en serveur Europe, c'est pas très conseillé ça. Aïe, oui. Non, oh, si c'est bon. Putain, je fais une remontada sur la fin. Alors, il marque 9 PM sur le serveur Amérique du Nord. Bon, bah c'est game over pour moi. Ou 21h, mais ah ils m'a même pas laissé le temps d'en faire un dernier. Oh putain, t'as vu apparaître. Je vais aller me planquer des escaliers. Oui, je suis repassé devant lui. Yes, je suis fier. En vrai, il se débrouille. Se débrouille bien. Je suis repassé devant lui. C'est pas le plus nul. Mais toi, putain, mes gars, comme tu nous déglingues. Alors. Oh oui, c'est sympa. Ah, j'aime bien cette map. Moi aussi. Y a moins que une je de sois mes bon. Préférées. Y a moins que je sois bon sur celle-là. On le serait bien à un autre joueur encore. Ça serait sympa. Oh. C'est Lupo. Ah, il était là. Ah merde, c'est toi. Mais quoi? Oh non. Quoi? De mon point de vue, c'était trop chelou. J'étais derrière toi, tu courais dos à moi et tu m'as tué. Oui, c'est ce qui s'est passé. On t'a pas tué là. Bah, j'étais derrière toi, mais juste collé au mur. Non, t'étais devant moi, en train de regarder dans l'autre direction, en train de reculer, et tu m'as quand même tué. Ah, moi, c'était pas ça, j'étais dans ta direction. Pour moi, c'était l'inverse. Du coup, oublie pas le spot hein, que tu avais appris l'existence il y a ah pas longtemps. Oui, tu découvres un spot, les gens, sur cette map. Que j'avais découvert quand j'étais tout petit. Mais non, mais laisse-moi y aller. Hop là, t'es retiré, j'étais tiré par le short, hop, bon, tu redescends. Spot, c'est pas le sommet de l'église, les gens. Non. Ah putain. Y'a un mec au-dessus de moi, je crois. Aïe. Mais. Ah
derrière moi. C'est... Oh non, merde, y'a pas de trousse de soin là. Oh oui! Oh, oh! Bien joué! Magnifique! Wouh! Pourtant, t'avais une chance sur 10 de mourir. Non, c'est l'inverse. Bien joué. Une chance sur 10 de survivre. Une chance sur 10 de survivre. Oh, merde. Imaginez, ça serait tellement stylé s'il y avait plein de gens. Alors, je t'entends bas. Franco. Ah ouais. C'est tellement stylé s'il y avait plein de gens partout connectés. Ouh. Oh. Putain, mais t'as 3 points d'avance! Putain, j'avais l'impression de bien jouer. J'ai quoi? T'as 3 points d'avance. Je savais que je jouerais sur cette map avec toujours en ligne. Non! Non! On m'a surpris. Oh, j'ai eu le kill du coup, vu que je suis là à moucher. Putain, moi je trouve jamais à Yom Lupo, c'est pour ça que j'ai presque pas de points. Nul à chier, t'as pas de chance. Le seul endroit où tu vas te réfugier, il y a quelqu'un qui t'y attend. Je t'ai vu entrer par la fenêtre. Ah bon ? C'est pas toi qui m'as tué ? Non, non. Enfin si, c'est moi qui t'as tué. Ah, le quelqu'un, c'est toi, d'accord. Oui, oui. On va être moi à la troisième perte. Ah non, non, oh, non. Yes. Bien joué. 9 contre 5. Et lui, il a combien? 4. Gaït avec moi. What the fuck, j'entends juste des... Puis je vois des mecs qui crèvent. Mais ça fait peur. Oh, hein, le bâtard, il m'a mis le dans la tête. Mais putain, mais je vois des mecs, je vous arrête pas entre yeux et moi je vous trouve pas. Vous êtes tué, ouais, je parle trop vite, les gens. Des fois je parle tellement vite qu'on comprend rien de ce que je dis. Yes. Bah, ce serait bien un nouveau joueur là. Ça fait longtemps. Oh, d'accord, je goûtais. Oh, ouais, d'où je me prends des... Oh non! Oh, ça a marché! J'ai lancé mes grenades à l'aveugle! Ouais, des fois ça marche. Pas que ça marche pas que sur Call of Duty, vois-tu. Yes. Je joue déjà mieux sur cette map-ci que sur celle d'avant. Ouais, ça se voit. Ces bruits de balles. C'est pas des petits... Oui, si, bizarre. C'est ça, c'est bizarre. Ça, c'est quand les balles sont lointaines. Oula! Je sais où tu es. Moi aussi. Oh non! Clayton m'a tué. T'es à l'étage du dessous? Enfin, il est sur moi, ça veut dire. Non, il m'a tué. Non, mais il t'a tué, mais il était en dessous de moi. Ouais. Quoi? Oh merde, il était derrière moi. Attends, il est devant moi. Non, non. C'était sûr! Mais non!
Oh yes, ma grenade. Ah, mais là c'était. Oui. Ah c'était ta grenade, ok. Oh yes. J'ai lancé une grenade avant de mourir, je suis content. Martyr. Martyr McFly. Oh yes. Vous êtes martyr McFly. J'ai quelque chose pour vous. Ah, il n'a pas la ref. Peut-être que si, mais. Regardez, c'est ici les gens, je voulais aller tout à l'heure. Voilà, ça je l'ai découvert il y a pas longtemps. Bon, du coup, là, il sait où je suis, donc faut que je me barre. En plus, je t'ai vu tout en haut de l'église. Ah non, j'ai essayé de faire semblant que j'étais plus là. Oh non. Bah, je me suis dit, attends, s'il voit plus et qu'il me dit qu'il est plus là, il y a un petit recoin, c'est sûr qu'il y allait. C'est sûr. Quoi? Aïe aïe aïe. D'où t'es pas mort là? Je t'ai mis une balle de pompe juste avant. Plus ça, et t'es pas mort. Yes. Yes. Oh merde. Non, tu pouvais pas m'échapper indéfiniment. Il devait de l'autre côté, je vais contourner, c'est l'inverse. Ah quand même, tu te rattrapes. Ouais, je remonte bien là, je fais une petite remontada. Et j'ai pas vu Ayem Lupo une seule fois par contre. Hein. Oh, je t'ai pas eu, sérieux. Ah, j'en remonte bien ça. Cette partie-ci, c'est pas de la merde. Je suis bien remonté. Je l'ai pas vu une seule fois. Moi. Je suis mort. Oh! Oh, je pensais que j'étais baisé. Moi aussi. Toi aussi, tu pensais que j'étais baisé? Non, j'étais baisé. Non, mais toi, t'es. Et en fait, non. Oh! Bon. Bonjour! Putain, j'essaie de mettre un coup de crosse, mais il est pas passé. T'avais le mauvais fusil au mauvais moment. Bah ouais, aussi. Genre du gaga se casser la gueule. Oh non, oh, c'est toi qui m'as eu en plus, putain. Alors... On entend des bruits sur toi, il y aurait une télévision. Ah non, 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 c'est... Ah, si, c'est la télévision de mon salon. Putain, j'ai de la chance, un loupeau qui apparaît. Et au même endroit. Putain, aucun mérite. Putain. Il réapparaît à chaque fois. Non. Oh, tu l'as tué. Tu l'as tué au dernier moment, incroyable, kill cam de fin. Ah non, ça, dommage. Ah, ça va, c'est pas de la merde en plus que j'ai fait là. Ça va, j'ai connu pire. Bon allez là. Plus de monde s'il vous plaît. On va au moins faire chaque map les gens. Et si après avoir fait chaque map, il manque du monde, là on fera une ellipse avant de partir. Cette map. On veut que tu leur fasses. On a un délire dans cette map d'un truc que j'ai fait lorsque j'avais joué contre les bots dans le multijoueur normal du coup. J'avais chanté une jolie petite chanson. C'est là que tu remets le replay, tu sais, en vidéo. Oh, il faudra que j'y pense. Je suis pas sûr que j'y penserai. Ouais, je sais. T'inquiète, je vais faire une reprise. Alors franchement, il y a sûrement aucun d'entre vous qui a la ref, mais j'avais fait cette chanson là donc. Lors de la vidéo que j'avais fait sur le multijoueur contre les bots de ce jeu. Ça va être bien fait. Non. Attention. Putain de mastodonte de mes couilles, c'est une blague. Ouais, j'ai mué entre temps, je sais pas si c'était aussi bien. Ouais, moi j'ai pas vu vraiment la vie. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je l'avais improvisé à l'époque, donc c'était drôle. C'est vrai, là tu ne fais que la reprendre. Voilà. Et là, elle a pas de sens parce que. Putain, tu es le plus.
La dernière fois, je l'avais improvisé sur le tas et c'était des paroles qui allaient vraiment en rythme avec la musique sur le moment et en plus, les paroles correspondaient avec ce qui se passait. Donc c'est ça qui était drôle. Putain, Clayton, reviens là! Toi, reviens là! Aïe! Oh non! Putain, je vais même pas profiter d'un seul des deux. Ah, c'est rageant ça. Tu vois deux kills, tu vois pas deux personnes, tu vois deux kills en fait. Tu vois juste deux points sur le compteur, les deux ils s'évaporent. Oh, j'ai cheaté. J'ai commencé un combat en étant sur une trousse. Si je perds ce combat, c'est honteux de ma part. Ça va. Des fois, dans une direction en fait c'est un cul-de-sac, genre y'a que. Oui, c'est oui, juste oui. Des portes fermées. Oh! Lupo. Mais non. J'ai plus de balles dans mon pompe. C'est pour ça que par la suite j'aimerais bien pouvoir être en mesure de héberger une partie parce qu'au moins il y aura plus de mecs AFK quoi. Et je pourrais choisir les maps et les munitions. Mais on pourra héberger et le mode de jeu. Sans devoir faire le truc bizarre que t'as dit. Non, le truc bizarre ça c'est un truc que même à l'époque on devait faire, tu vois. Ah ok, ah oui d'accord. C'est pas un truc qui hack la console ou quoi que ce soit. Ok. De base fallait faire ça. Plaisir de tomber sur les moulpos, donc moi je tombe pas beaucoup dessus donc. Est-ce que je gagne? Oh putain, j'allais m'en sortir! Presque! Tu ne domines pas tant que ça là, c'est cool! Oh, mon pote vient de m'envoyer un message. Aïe aïe aïe! Alors attends, on voit. On peut faire des kills parce que là j'écris. Ah si nous rejoint ça serait cool. On sera encore plus nombreux. Ah, il me dit, je suis pas sûr d'être dispo ce soir. Bah on aura deux. Okay. Oh j'ai volé son kill, désolé. Oh attends je suis premier. Oh c'est la mienne. Attends. C'est ta map. Ah oui c'est ma map préférée en plus. C'est pas le temple de Bouddha, c'est le temple de Penouille. Le temple Bouddha ou de... Oh merde. Le temple. Alors, ah non, c'est pas possible pour moi. Je vous le dis. On profite encore, hein, j'écris. On aura une autre occasion. Oh non, putain, c'était le moment où il faut que j'en profite pour prendre de l'avance là. Ok, bon, on n'aura pas ce joueur-ci. Non! J'ai entendu le « Ah !» Ah, parce que du coup, il est dispo, hein, même pour jouer hors vidéo avec toi et moi. Oui, ok. Mais bon, c'est pour la vidéo que ça aurait été cool. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris ta gueule. C'est pour la vidéo que ça aurait été cool. Ah, c'est vrai. Allez, je reprends du service. Oh, on s'est entretué. Ouais. Allez, je peux la gagner, celle-ci. Je peux la gagner. Du coup, si on tombe sur Amaterasu ou Xden Lupo, il se peut que ça soit enregistré, hein. Sur une autre vidéo. Dans tous les cas, c'est enregistré parce que... Bah oui. Je fais une vidéo. Moi j'étais surpris la dernière fois, c'était ma première game et je vois sur une vidéo en fait j'apparaissais. Eh oui. Il y a un truc qui cloche. Oh putain, mais il était incroyable. Il y avait Ayam Lupo à côté de moi. Oh yes. Aïe. Je l'avais pas vu. Ah ça y est, tu as peut-être gagné. Enfin, attends, il reste encore 4 minutes à trouver. Ouais, parfois pas trop vite. Hop. Oh non. Aïe.
Non! Putain, je t'attendais, il arrive par derrière. Oh non! Trop être occupé, trop loin. Je suis presque mort. Aïe! Putain, mastodon de mes cousins de la... Oh! Ta-na-na, na-na-na. Oh! C'est ma game! What the fuck? Ok, j'ai vu un tir sortir de nulle part, j'ai pas compris d'ailleurs. Oui, ça arrive en fait. Quand la personne. Si tu as vu quelqu'un qui était en train de tirer, et bah quand elle va. Quand ce cadavre va disparaître, il y aura un coup de feu. Avec l'arme qui tenait en fait. Elle peut me tuer. Oui, elle met un petit peu de dégâts. Oh merde. Elle peut te tuer. Mais bon, c'est extrêmement rare. Il m'est arrivé qu'une seule fois que... Enfin, pas que ça me tue, mais que ça me fasse des dégâts. Oh, oh, oh. C'est moi qui t'ai eu. Ah, t'as eu le temps de la voir. Oui, c'est moi qui t'ai eu. What the... Genre, j'ai encore... Il y a un coup de fusil à côté de moi au moment où t'as respawn. Putain, ça m'a fait peur. Oui, voilà. Ouais, bah moi j'entends depuis toujours, hein, ça fait peur. Oh, je vais la gagner celle-ci. Si je la gagne pas, je comprends plus rien. Et en plus, c'est pas de tout près, hein. Ouais, je domine là. T'as peur. Bon, après, oui, parce que parfois, quelques temps, j'écrivais un message, mais bon. Oh, mauvais perdre. Oh, c'est juste vrai. Toi, t'aurais pas été à dire si ça aurait été truqué. T'as déjà peut-être que de ouais, y'a la latence, je suis en CPL, je sais pas quoi. Bah ouais, bah c'est vrai en plus. Bon, c'est sans doute un peu vrai. Du coup, il peut se rassurer et se dire ouais, c'est normal en fait, si je perds, c'est parce que je suis en CPL. Sinon, j'aurais gagné. Je commence à remonter, c'est marrant. Ça fait peur. T'inquiète pas. Combien de balles pour crever? Ah. Ça me rassure là. Tu m'en as même pas mis une. Oh putain, coup de fusil à pompe quand tu respawn, j'aime bien. Donc désolé. Oui, en fait, j'ai l'impression que c'est que le mec respawn vite derrière moi. Oui, moi rail. Mais désolé pour. Moi rail. Je sais pas articuler quand je suis en vidéo, je sais pas pourquoi, je sais pas, on dirait à un handicapé que c'est pas parlé. Ça va, il reste même pas une minute, j'en ai gagné. 30 secondes, ouais, ça va, allez. Ah putain, c'est le passage qui mène aux deux portes fermées. Ah, moi j'arrive à. Je me sens seul à chaque fois. J'ai réussi à faire la différence entre les deux. Non, je vais pas finir la partie sur une mort. Je serai victorieux! Voilà! Et. Oh non, c'est entretué, d'accord! Je pensais que j'en étais sorti. Bon, au moins t'as gagné. Yes! Regardez-moi ce ça score. Fait quoi de se voir? Oh, ça fait du bien. Ok. Prochaine map. C'est le porte-avions? Ouais, c'est l'hangar. Ok, c'est parti. Ah non, non, c'est le train. C'est vrai, j'avais oublié le train. Elle est marrante cette map. The train. Pour moi, c'est cool l'autre mec qui reste longtemps dans la game, Kayton. Ouais. Du coup, il faut qu'il y en ait d'autres là. Mais de toute façon, on se rapproche de la soirée. Ce serait cool. Ouais. Pour la vidéo, qu'on soit presque full. Ce serait de belles parties intéressantes. Bah, la dernière fois, on était 7. Moi, j'ai pas connu ça. C'est toi qui étais 7. Oui, enfin, oui, c'est moi. Mais... J'ai une position derrière moi, j'ai de la chance. Oh non, ça servait à rien. Heureusement qu'il y a ce Clayton qui est venu, c'est déjà cool. Ouais. Oh, nice. Faut dire, là, je commence à être un peu échauffé, donc je suis peut-être un peu meilleur qu'au début de la vidéo. Parce que j'avais plus joué depuis 2 jours et tout. Puis je confonds un peu le gameplay avec Tanks Twitter. La dernière fois que t'avais joué, ça faisait des mois que t'avais pas joué. Ouais, il y a 2 jours, ça faisait si des mois. Oh, peut-être bien plus d'un an.
Et puis le gameplay avec c'était pour les speedruns, souviens-toi. Oui, c'est vrai, je m'étais entraîné pour faire un speedrun sur ce jeu-là à un moment donné. Ouais, ça faisait un an. Maintenant, est-ce que je ferai un speedrun officiel sur ce jeu un jour ou pas? Je ne sais pas. Peut-être. Oh non, t'as volé mon key, enfoiré. Allez! Et le gameplay est très différent dans Tank Splitter. Dans Tank Splitter, on peut pas sauter. Donc déjà ça, ça change. Où j'ai quelqu'un là. À un moment donné, la musique elle fait peur sur cette map. Oui. Ouais, je sais. Je suis là. Ouf. Non. Ah. Oh. Oh mais non mais c'est pas possible. Ça va tout le temps se passer comme ça. Il est où Clayton? On le voit plus. Moi je l'ai vu hein. Oh je t'en verrai par le même endroit. Ouf. Oh mais non. Non il est toujours. C'est la musique commence à faire. Non ça va. Ouais toujours connecté, tu fais start. Ah oui il est là, il est là, c'est bon. Moi je l'ai vu. Il se peut qu'il nous cherchait sous le pont. Tu sais, il y a une sorte de souterrain de pont, c'est oui, bizarre. Souterrain de pont, n'importe quoi. C'est pas bizarre, bref, hein, si tu réfléchis sur la première ligne, le pont de Nimeg est la même chose. Ah oui, je suis juste con en fait. Bonjour. Derrière toi, non mais pourquoi je le dis? Non, il y a personne. Allez, personne. Allez me chercher des mangas. La musique commence à faire peur, ça y est. Aïe! Ah non! Je dis, imagine ça quand t'es dans ta chambre le soir quand il fait noir. Mon kill. Mais non! Le buisson était censé me cacher! Je t'avais vu, tu sais. Oh, magnifique! Ça c'était un headshot. Oui. Sûrement. À moins qu'il ait déjà presque plus de vie, mais je vois pas comment ce serait possible. Oh non! Ah putain! On a toujours un petit espoir. Oh, t'es devant moi, merde! Et peut-être prendre le pauvre Clayton, là, il fait rien. J'avoue. J'espère que ça va pas le faire rage kit. Oh, Lupo! Non! Non! T'aurais pu avoir les deux! Mais j'ai tiré sur lui en priorité, tu l'as quand même eu. J'aurais attendu avant de tirer, c'est moi qui aurais mis la dernière balle, fais chier. Là je crois savoir comment comprendre le sens de la map, comment décerner un sens. Au niveau de l'ombre, il y a un endroit qui est plus assombri ouais, que l'autre. C'est vrai. Oui parce que c'est une map miroir, il y a beaucoup de maps miroirs sur ce jeu. Bah la moitié c'est des maps map miroirs. Entre guillemets miroirs, hein. C'est des vrais miroirs mais... Oui. Mais bon, on voit qu'il y a quand même une sorte de symétrie, voilà, tu vois. Des maps symétriques, comme on appelle ça. Alors, quelqu'un, j'ai vu quelque part là-bas. Je sais pas où il se cache. Oh, il est en bas! C'est bon? Je l'ai vu, il y avait une petite fonte, j'ai pu le tuer. Je crois qu'il a fait pour se barrer là-bas, on a dû se croiser sans se remarquer. Putain, mais je t'ai mis deux balles, t'es pas mort. Non! Cerné. C'est quoi ce coup de crosse que t'as donné dans le vide? Non! Non, 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 non! Ah! Ah! Yes, putain. Son premier kill! Échoue. Ok. Ah, mais vraiment, il pue la merde! cette en tout cas. Heureusement qu'il n'y a pas de chat vocal, ça aurait peut-être fait rage. J'ai peur toi qu'il gardera pas la vidéo, qu'il est parti. J'aurais pas dû ressortir. Putain, il a gagné. Ne parle pas trop vite.
Ah, j'ai foiré mon saut, du coup j'ai pas pu sauter sur le wagon. Ou le wagon. L'air pas. Clayton, ça fait jamais mon écran, je l'ai pas vu. Oh, je suis si loin, c'était parfait, En vrai, tu peux encore remonter, hein. Ouais, mais ça va être dur. 3 minutes et... Avant que tu fasses de la merde. Clayton! Bah, j'en fais actuellement, là, il me défonce. Et... Quoi? Mais quoi? Non, mais par contre, là, c'était vraiment bizarre. Genre, je l'ai vu tirer... Pas vers moi, genre vraiment. Dans la direction où je visais moi, et il m'a tué. Reviens là! Moi j'ai entendu des bruits de balles qui tirent dans l'eau. Bah c'est pas impossible, j'ai tiré vers le bas à un moment donné, sur les ponts, je peux passer à travers les trucs. Oh, quelqu'un s'est cassé la gueule. Ah, j'ai pas entendu pareil. Non, j'ai plus de balles. Oh oui. Oh non, quoi? Oh, je peux bien joué. Tu remontes. Allez, allez. Oh non, d'où il sortait, je l'avais pas vu. Ah, au niveau de l'ombre, je vois dans quel côté on est. Salut. Oh, enfoiré, t'as pas le droit de faire ça. Oh non, j'allais le faire aussi, mais... Trop tard. C'est, là, c'était la boucle de la musique. Une boucle de cheveux. Quoi? Oh mais non! Ah putain! On a toujours... On dirait qu'on a deux tensions pour réagir à ça, mais c'est juste qu'il y a la latence. Oui, c'est vraiment la latence. T'as vraiment l'impression que t'as gagné, en fait, non? C'est horrible. Pixel de vie agresse à les gens ma vie. Oh, je suis mort. Ah non. Ah oh, ouais. Si. Oh, non, 2 kills de retard, ça va être trop dur. Je trouve pas Yem Lupo. Putain, je pensais que c'est moi qui t'avais eu, mais non. C'est juste toi qui l'as tué lui. Oh, peut-être que je me suis pris un dégât là. J'ai perdu. Non! Oh oui! Yes! Ah, dommage! Bien joué. Bon, vu qu'il reste encore des maps, on va continuer avec le joueur, le nombre de joueurs qu'on a pour le moment. Et puis on fera une ellipse. Bah, on avait commencé avec les deux, donc on pourrait faire même objectif cuirassé là, sur les bateaux. Oui, 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 en effet, il reste encore deux maps. Il en manque deux. Mais si après c'est... Oh, ah, merde! Non! Mais comment ça se fait, j'ai donné deux coups de crosse, t'es pas mort! Oui, j'ai vu. T'as vu le premier spawn? C'est même pas un spawn quelconque là, les premiers. Quoi? Je vois Clayton dans l'eau! Hein? Clayton. Putain, je l'ai vu dans l'eau au loin là, au fond de la mer. Hein? Mais quoi? Je te jure, je l'ai vu dans l'eau. Fuck. Je l'ai vu dans l'eau, dans la mer. Au fond de l'eau. Et après, il a disparu. C'est peut-être quand il a spawn, ça a dû faire bugger sa position, je sais pas. Ah, j'aime bien la musique de cette map. Ouais, mais j'aime pas trop la map. Moi, la map, ça va. Oui, oui. Putain de merde.
Oh, c'était beau. C'est ma grenade qui t'a. D'ailleurs, le thème c'est le même que dans le destin. J'étais choqué, j'ai vraiment vu. Enfin, en plus, avec la panique, je dis Clinton au lieu de Clayton. Comment je vois un truc blanc dans l'eau? Je vis. Il y avait son. Well done. Non, quoi? Ça faisait longtemps que je me le préparais, hein. Du coup, si c'est moi qui t'aurais fait de connard si tu me l'avais volé, ça faisait longtemps que je me le préparais. Il y avait juste Clayton qui m'empêchait de le tuer. Quand j'ai tué Clayton, il bougeait plus. Oh non! Il s'est déplacé! Oh non! Oh dommage. Attends, peut-être qu'il a eu un problème. Tu sais, ça, la dernière fois, c'était arrivé. Hein. Du coup, Yemlupo. On attend un peu. Je tue pas Yemlupo alors. Bah non, on continue tout seul. Il était en face de moi. Mais du coup, c'est quand même pas extraordinaire que je sois revenu en ligne. C'est incroyable. Mais non, tue-moi, non, je suis débile. J'avais tellement ce réflexe de le tuer, tue-moi. Voilà. Je dis, ok, on tue pas à Yemlupo. Je le tue. C'est quand même extraordinaire. En 2007, c'est en 2007 que les serveurs ont fermé. Hein. Ah ouais. 13 ans après. Je n'ai resté en ligne que 4 ans enfin, 4... après sa sortie. Ouais. Même 14 ans en fait. 14 ans après. Ouh, oh mais quel tireur d'élite. Ça se voit que je suis échauffé là. J'aurais bien testé le. Ça se voit que je suis échauffé. Oh là là, oh, quel monstre. J'ai rien compris. J'ai dit oh là là, mais quel monstre! Je sais. Enfin, quand je dis j'ai rien compris, mais pas ce que t'as bien. Dit. C'était une blague. Tu sais, tu fais des blagues en fait, on pourrait croire que c'est pas une blague. C'est le but. Ça crée une sorte de confusion marrante. Alors peut-être qu'il faut tirer sur Yemlupo. Je suis sûr que quand j'étais petit, mon premier réflexe, en sortant des images, je dis « Oh, il y a un avion, on peut le piloter !» Hein, non. Quoi, tu parles de quoi, là? Et... Quand j'étais petit, sur cette map... Oh, wow, mais putain! Je suis fort, là! Qu'est-ce que t'as mangé? Pas encore mangé. T'as une manette de PS2. Ça d'ailleurs aussi, c'est une map miroir. Bon. Ouais, c'est aussi une map miroir, en effet. Et les manettes de PS2 elles font tellement de bruit. Oui. Comparé aux manettes de PS3. Ah, je suis foutu. Bon, pendant je domine. Allez, je peux encore gagner. C'est quoi, au pire là, je me cache. J'attends et c'est gagné. J'espère en tout cas que l'écho n'est pas trop fort, les gens. Ah, oh là là. Ah putain. Là, y a la bannouille, il est échauffé, mais non. T'as non seulement tu m'as tué, mais en plus par-dessus le marché, tu me jettes une grenade. Bon, est-ce qu'il est... Faut être bien sûr qu'il est mort, tu sais. Merde, j'ai pas réussi à sauter. Non, je t'ai vu ça, genre, je fais chouette. Ouais, mais c'était au cas où. Je prends des précautions, moi. Ah, j'en prends aussi. Et quelqu'un se cassait la gueule. C'est normal. Ah. Voilà. Ta-na-na. Ding, ding, ding. J'entends le petit ting ting ting. Oui, j'entends quand même, le son est quand même assez fort.
Et il est tout juste assez fort pour pas qu'il soit trop fort, je pense, pour la vidéo, mais pour que j'entende quand même. Oh, il est mort cette fois. Pas grave, t'as pas le coup. Oh non, ah merde, mais j'en perds un. Oui, attends. Donc ça revient au même vu en AV1. Hein. Ouais. Oh quoi, yes. Merde. Il y avait ton coude, vraiment. Ah merde, je pensais que j'étais bien flanqué. Ah, non, ouais, enfin, non. Oh, c'est bon. Mais t'es trop fort, mec. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là, entre-temps? Bah, j'ai joué. Donc en mouvement. J'ai joué. En mouvement, il rate. Donc, je suis échauffé, quoi, mais non. Enfin, juste le temps que je me réhabitue, quoi. Maintenant que c'est fait, ça va chier des slips. Non, ça va chier des bulles, on dit. Ok. C'est tendu du slip, ça va chier des bulles. Ouais, putain, je mélange des expressions encore, comme d'hab. C'est habituel avec moi. Je t'ai vu. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah, je suis fort là. Oh, mais n'importe quoi. Sur quoi là? Sur rien. Bah j'ai respawné, j'ai entendu 3 tirs. Pour recharger mon magasin. Ah ok. Oui, je l'ai fait tout à l'heure, mais quand il me restait qu'une balle, pas 3. Ah oh, mais non! Putain, il remonte. Ne stresse pas, tu vas y arriver. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est une bague! Je suis cerné! Yes! Yes! Oh, j'ai géré avec mes grenades! J'y allais! J'y allais encore un peu! Putain, le bruit de tes pas, il me semble. Oh non, c'est bon, il est là-bas. Merde, j'ai plus qu'une seule balle, fait chier. Oh, il s'est cassé la gueule. Bien joué. Je t'ai tellement attendu là. Ça y est, le niveau. Alors, c'est cool. Ah, ça fait du bien, c'est sûr. C'est sûr que c'est une expérience je suis content. Hyper intéressante. En tout cas pour nous, les petits qui jouent à Fortnite vont faire « Mais je comprends pas, y a pas de V-Bucks. » Bon, j'ai un vieux jeu, t'es nul, t'es quoi ça? C'est les fameuses personnes qui disent GTA 5, mais c'est un jeu rétro ça. C'est un jeu rétro. Sorti en 2013. Et puis j'espère aussi que pour ceux qui n'ont plus les moyens d'y jouer ou quoi, que ça rappelle des souvenirs. Ouais. Ça vous hype aussi. Que oui. Quand même pas rien hein, comme expérience. Putain, mais on te voit pas, on voit juste ton képi. Mon quoi? Ton képi. Alors, un casque t'as là, c'est un képi. Ouais, je défonce quand même, magnifique. Ah, je t'ai exterminé. Fier de moi. En fait, parce que si tu me voyais pas, c'était parce qu'en fait j'étais en accroupi. Tu lèves le joystick largement vers le haut. Je l'ai fait aussi quelques fois, c'est pour ça que des fois tu me voyais pas quand je tirais dessus. Voilà. Mais c'est cheaté ça, par contre. En fait, tu vois pas, mais en fait, il montre pas ouais, en vrai. Il y a pas l'animation, c'est accroupi ou debout, mais il y a pas l'entre-deux. Ouais, c'est cheaté du coup. Donc, dernière map qu'on alors, a pas encore fait aujourd'hui, les gens. Et qui est normalement la première en fait. Oui, dans la liste des maps, c'est la première. Du coup, après cette partie. Oh. Après cette partie, s'il n'y a pas de monde, bah, je ferai une ellipse jusqu'à ce qu'on soit au moins 4 en jeu, donc 5 avec Ayemupo. Quoi. Pour que ce soit bien mouvementé. Oh, mais je suis un monstre. Mais tu es fort! Mais je me suis échauffé, c'est tout! Tu sais, tu me donnes un peu d'échauffement, et Benoît, il est fort. J'ai déjà dit, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, un peu d'entraînement sur un jeu, et je suis fort sur n'importe quel jeu.
ce qu'il me faut, c'est de l'entraînement. Ah, ben j'ai même pas vu où t'étais. Là, il y a Yem Lupo, ne pas le tuer. Je suis sûr que tu me vois. Non, j'ai eu de la chance. Je me sentais extrêmement exposé. Il est là. Ah, il y a la fille qui crie. Oui, oui, je l'ai entendu. J'ai entendu même dans ta télé. Merde, il était derrière. Non, je pensais qu'il était encore là-bas. Ah, ok, c'est Lupo. Oh quoi, ah. Non. Oh quoi non. Je pensais vraiment que je t'avais défoncé. Ah, d'accord. Je respawn juste derrière toi. Mais je sais que t'es derrière moi. Pour l'avantage. Ok. Si on peut me donner des points de spawn moins merdiques, s'il vous plaît, ce serait cool. Des fois, on spawn vraiment au milieu et c'est gênant. Arrête, c'est gênant. Oh, mais quoi, mais oh, c'est putain. Pas possible. C'est vrai que mon skin... En vrai, je serais intéressé quand on prend une ellipse de regarder quand même dans les serveurs s'il n'y a pas une autre région ou un autre, ça, ouais, pendant un autre continent où il y a... On va regarder, on aura tout le temps pour aller. Donc... Ouais. Moi, mon skin, c'est vrai que j'ai pas montré comment il ressemblait. Mais mon skin, c'est un mec habillé un peu en gris bleu comme ça. Non blanc bleu. C'est... En fait, c'est le mec qui fait... C'est de la poussière là, au tout début. Oh merde, t'es là. Yes. Oh, mais toi. Tu me donnais un coup de crosse à 3 mètres, c'est quoi ce délire? Non, pour moi j'étais assez. Mon point de vue, t'étais à 3 mètres! Oh non, j'ai une chance de me battre et là ça devient. C'est compliqué, mais c'est encore plus. Ah, bien joué! Oh putain! Hop, ça va, je l'aime bien. C'est une des maps les plus... Comment dire, enfin, de ceux qui avaient connu le online à l'époque disaient que c'était une des maps les plus, bah, les plus utilisées, par contre c'était une des préférées des joueurs. Moi je l'aime bien. Hein. Elle est sympa. Mais putain, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais que j'ai... Je cherchais le coin du mur derrière moi et je le trouvais plus. Il était plus loin que ce que je pensais. Il est pas mort. Putain, tu t'es soigné, c'est ça? Ouais. Ça me semblait bien. Je serais mort sinon. Ok, j'ai compris comment capter ouais, quel côté. Ah non. Quel côté. C'est compliqué de savoir quel bateau est lequel. Hein. Oui, bah ça c'est un truc qui m'avait un peu rendu fou quand j'étais petit. En fait, là, il y a encore une map miroir. Ouais. Sur qui il tire ? Il me voit là ? Il me voit là ? Je te voyais pas. Ah oh, putain ! Ah si, il y a un truc pour repérer où on est, sur lequel. C'est celui où il y a Lupo. Et peut-être l'emplacement des armes aussi.
Oui, je sais que sur les hauteurs, il y a un endroit où... What ? Même pas compris. Il y a une hauteur sur laquelle il y a une grosse trousse de soins et une où il n'y en a pas. Ok. Ah oh, putain, tu me fous de plus fort. Ouais, mais tu me bats quand même de 3 points pour le moment. Ça va être chaud de te rattraper. Putain, t'as eu chaud à ton cul. T'as eu chaud à ton cul, vraiment. Allez. Ah, je me sens mieux. Je me sens mieux. I am Lupo. Oh, y a mon chien qui pleure. Quoi ? J'ai juste rigolé. Y'a mon chien qui pleure. C'est pas possible. Traquer depuis je sais pas combien de temps. C'est un truc, c'est ça que c'est là qu'on voit que c'est con. Wow! Yes! Wow! C'est si vraiment les pseudos ne s'affichaient pas, il y aurait plein de fois où je te verrais pas. Sérieux à ce point là? Ouais, ou en tout cas ça m'aide, tu vois. Disons que ça me dit directement que t'es là, alors qu'à chaque fois que je vois ton pseudo, enfin, entre guillemets avant de le voir. Oh putain! Voilà. Oh, mais tu me donnes encore des coups de crosse à creuse de map. Alors, je sais que je dis à creuse de map alors que c'est à creuse de map normalement. Hein. Mais quand j'étais plus jeune, je prenais à creuse de map. J'ai continué à dire ça. Oh, magnifique! Ça rappelle Warfare 1, ça, tu sais, le bâtiment où tu fais une grenade et à chaque fois. Ah oui, c'est exactement ça. Malheureusement, les gens n'ont pas la ref parce que je n'ai encore fait jamais de vidéo sur Modern Warfare. Et parfois, j'y joue encore et je suis sur des kills à la grenade magnifique comme ça. Oh non. Putain! 3 kills de retard et je pourrais pas. J'espère que le jour où je ferai des vidéos sur les Call of, qu'il y aura toujours du monde. Je l'espère de tout cœur. Oh! Oh! Je la balle dans la tête. Oui, sûrement. Parce que t'as pas l'air, il y avait pas encore de message qui t'indiquait oh headshot. Ouais, c'est dommage. C'est sur Call of Duty 2 et 3 sur PS2. Ils sont plus récents que ce jeu-ci. Oh merde. Tu t'étais pas soigné? Bah si, c'est ça que je comprends pas. Je t'ai mis juste un coup de crosse. Bah quoique, surtout j'avais perdu de la vie sans que je me rende compte. C'est déjà arrivé que je tue quelqu'un qui était full vie. Avec juste un coup de crosse. Ouais, c'est l'impression que j'ai eu ici. Non, je pense que t'as raison, que t'as eu toute ta vie, mais là, bizarrement. Putain, ou alors ça dépend avec le, avec quelle arme tu mets un coup de crosse, enfin je pense pas. Peut-être, parce que tu m'as donné un coup de crosse avec la Thompson, je crois, non? Non, le M1 Garand. Ah, ok. Logique. Yes. Oh! 2 points de retard en 20 secondes, ouais, laisse tomber. Avant que je spawn kill 2 fois d'affilée. En vrai, il... Bah, il faudrait que je spawn kill 2 fois d'affilée, je sais même pas où t'es donc c'est mort. Et encore, je gagnerai quand même parce que. Ouais, ce serait égalité et. Ah putain! Ah, voilà. Ok, j'ai gagné. Ah bon! Bon bah. On a donc fait le tour des maps, les gens. Je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres parties sur d'autres serveurs. Ouais, on va essayer de faire une ellipse et on reprendra cette vidéo lorsque. On sera au moins 4 non AFK dans une game. On va essayer de faire ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaît d'avoir un aperçu de gameplay online sur PS2, sur Soleil Levant. Donc là, on est de retour sur la map au début, le terrain de baseball, le dessin de Shima. Inconnu, mais déconnecté. Bon, on va faire des expériences. J'arrive. De notre côté. J'espère que la vidéo reprendra parce que s'il n'y a personne, ce sera un peu con. Alors, dans le pire des cas, c'est vrai que... Je pourrais attendre un autre jour et faire la suite un autre jour. Hein. C'est vrai, à la limite, s'il y a plus de monde. On verra bien si on... De quoi? Bah, à la limite, je capte certains... où ça parle dans certains serveurs. Dès que je vois qu'ils s'organisent entre eux,
Bah, je vais te prévenir, peut-être jour il y aura du monde. On pourrait faire ça, donc voilà. Peut-être une autre vidéo, si ça vous plaît. Si vous êtes intéressé que j'en fasse une autre vidéo sur ça, ça pourrait se faire. Hein, si je vois qu'il y a eu beaucoup de vues, ou alors qu'il y a beaucoup de personnes qui en réclament dans les commentaires. À voir. Si vous voulez un autre épisode, et qu'il y a la possibilité qu'il y ait beaucoup de monde dans un autre épisode, alors pourquoi pas. Et si vous souhaitez participer à un tournage avec nous, n'hésitez pas à me contacter aussi dans les commentaires. On pourrait s'arranger pour essayer de se rejoindre et jouer tous ensemble. Donc c'est pas impossible que je fasse une autre vidéo sur le multijoueur de ce jeu, mais à prendre avec des pincettes, hein, c'est pas sûr à 100%. Ou alors je fais cette vidéo en deux parties et je mets tout le contenu en une seule grosse vidéo, je ne sais pas. On verra. Dans tous les cas, là maintenant je vous fais une ellipse en espérant que c'est pas la fin de la vidéo. Je ne suis pas sûr. Si c'est la fin de la vidéo, moi je vous dis merci d'avoir regardé déjà. Et j'espère que cette bonne nouvelle que je vous ai montrée ici vous plaît. Mais j'espère que certains d'entre vous vont sauter sur l'occasion. Et sinon, ben voilà, je vous dirai au revoir pour une prochaine vidéo, tout simplement, pour la suite de Time Splitter et tout ça. Et sinon, ben on se retrouvera juste après une ellipse, on verra bien. Au cas où, moi je vous dis un grand merci et à très bientôt !